Franco falará inglês ou italiano e eu traduzirei. Grazie per stare con noi qui. È la prima volta che vede il film. Non l'ha visto. E Fanny, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, le film. Enfin, bon, d'abord, je voudrais dire que pour moi, c'était un énorme plaisir, cette deuxième collaboration avec Fanny. Fanny, je l'avais rencontrée pour Cendre et Sang, qu'on avait tourné en Roumanie. Une très belle histoire qui est sortie ici au Portugal, comme vous le savez. Et là, quand elle m'a parlé de ce deuxième projet, j'étais tout de suite, avant même de lire le scénario, était vraiment accroché à travailler avec elle. Évidemment, quand j'ai lu le scénario, j'étais encore plus convaincu de le produire. Et c'est à partir de nos conversations qu'il y a eu l'idée de pouvoir tourner à Lisbonne avec une équipe, un parti qu'elle connaissait déjà, comme ma sœur Isabelle, qui avait travaillé sur le film de Cendre et Sang, et aussi un chef opérateur comme André Jankowski, qui, comme vous le savez, avait fait Les Mystères de Lisbonne et Les Lignes de Wellington. Et dès le départ, son idée, c'était aussi de prendre des acteurs portugais pour les rôles de portugais dans le film, donc Nuno et Ricardo Pereira. Et Franco est venu pour ce personnage de Carmine, est venu un peu plus tard. Et heureusement qu'il était absolument disponible et qu'il s'est mis disponible pour faire le film avec nous, parce qu'il a donné à ce personnage une espèce d'humanité très particulière. Mais ce n'est pas à moi de parler du film, moi je suis que le producteur. Donc je commence déjà à demander à Fanny d'abord pourquoi cette histoire? Pourquoi si vous voulez, cette femme, ce personnage de femme incroyable, amoureuse, évidemment que déjà dans l'autre film, tous vos personnages sont personnages qu'un terme, tu vois, ceux de la passion et de l'amour sont des gens avec une énorme générosité. Et je voulais savoir déjà d'où c'est parti cette histoire. C'est un scénario absolument qui est dans votre tête ou c'est quelque chose qui vous est approprié des petits bouts d'autres histoires. J'avais envie de raconter, j'avais envie de parler de l'amour. Et que c'est assez difficile de parler d'amour parce que je ne voulais pas parler d'un amour heureux. Parce qu'en France, on dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc je me suis posé la question de ce moment très précis de la fin de l'amour. Pas une fois que c'est fini, ou quelqu'un qui n'aime pas, ou quelqu'un qui aimerait sans être aimé. Non, un couple qui s'est beaucoup aimé et qui tout d'un coup, la précipitation de la fin de leur histoire. C'est pour ça que j'avais besoin en même temps, pour précipiter l'histoire, que le personnage principal masculin, Furio, soit en charge de quelque chose, c'est-à-dire sous les ordres de Carmine. Et donc, je voulais en même temps que l'histoire d'amour se détruisait, on verrait un hôtel se construire ou se reconstruire, et qu'en même temps, les deux choses avaient des fondations qui étaient mortes. L'hôtel, comme on voit Furio descendre à la cave, voir les fondations qui sont pourries, inondées, insalubres, qui devraient être changées, mais qu'on ne change pas, exactement comme l'histoire d'amour, qu'il faudrait recommencer ailleurs. C'est pour ça qu'elle lui dit sans arrêt, je voudrais partir en voyage. Donc, comme vous me demandez, j'ai écrit le scénario. De quoi je me suis nourrie? Je me suis nourrie de plein de choses. Des choses que j'ai dû voir au cinéma, des choses que j'ai dû lire dans les livres, des choses que j'ai dû ressentir en écoutant la musique.
c'est très difficile de savoir les influences qu'on a subies. Parce que je pense toujours que les plus fortes influences, c'est celles dont on n'est pas conscient. C'est assez étonnant, si vous voulez, donc dans cet effondrement de l'histoire. En même temps, vous êtes quelqu'un qui est pour moi, et je peux vous le dire, au niveau de la cinématographie, le langage est très osé, très moderne, un peu même à l'opposé d'une grande partie des films que vous faites comme actrice. Vous êtes, je pense que bon, vous avez eu des bonnes compagnies pour ça, mais c'est assez étonnant ce travail, et surtout ce travail avec les acteurs. Est-ce que votre travail d'actrice vous a aidé à travailler avec les autres acteurs, avec les acteurs que vous avez pris? Curieusement, moi, les acteurs m'ont toujours fait peur. Parce que je me pose toujours cette question, grâce au fait que je suis actrice. Je n'aime pas un metteur en scène qui vient me dire trop de choses, qui veut tout contrôler. Donc j'aime plutôt un metteur en scène qui me fait confiance, un peu comme s'il ouvre la cage et que l'oiseau s'en aille. Donc pour moi, je suis partagée entre ne rien dire à un acteur en disant « mais je ne vais pas lui apprendre à penser, je ne vais pas lui apprendre à sentir ». Et puis d'un autre côté, avoir envie tout d'un coup de toute façon de donner à un acteur quelque chose que peut-être il n'attend pas. Parce que moi, chaque fois que j'ai eu une joie d'être dirigée, c'était quand on me disait quelque chose qui était devant mon nez et que je ne voyais pas. Je me souviens d'avoir été dirigée par Roman Polanski. Et des choses très pragmatiques, très simples. Moi, je crois qu'on ne parle pas aux acteurs en essayant de leur donner une intelligence ou un cœur ou une âme. On leur parle comme un jardinier parlerait aux arbres, en disant « je coupe un peu à droite, je coupe un peu à gauche, plus vite, moins vite ». C'est quelque chose, finalement, le cinéma. Souvent, j'ai dit que, vous savez, cette phrase marxiste, la terre appartient à celui qui la travaille. Eh bien, le rôle appartient à celui qui le joue. À partir du moment où c'était Nuno, à partir du moment où c'était Franco, il rentrait dans ces personnages qui, de toute façon, étaient fictifs, comme il le sentait, comme il le voulait. Et moi, finalement, par rapport à comment ils ont joué, comment ils ont donné cette chair à ces personnages, je ne sais pas très bien où se situe mon rôle. Je crois que moi, en tant qu'actrice, ce que j'aime, c'est d'être regardée, écoutée. J'irais presque à dire, ça m'est égal quand même. Mais je veux qu'on m'écoute et je veux qu'on me regarde. Parce que si le metteur en scène ne s'intéresse pas à ce que je fais, moi, alors je vais encore moins m'y intéresser. Et je peux dire qu'en tournant Cadence obstinée, c'était une époque très intense. J'ai beaucoup aimé ce temps. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces acteurs. Un peu quand vous avez dit, ils arrivaient de toutes les villes, que ce soit Lisbonne, Rome, Paris, la Hollande, là-haut. Et toujours ce qui me touchait, c'est qu'ils étaient tous là en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et que pour moi, c'est toujours ça la magie du cinéma. Parce que hop, ça se finit, au bout de 35, 36 jours, on s'en va, on se quitte, et puis on recommence comme la création d'un monde. Mais je vais leur laisser parler parce que moi, j'ai été heureux avec vous. Bon, qu'est-ce que je veux dire? C'était très bien. C'était difficile, c'était... d'un grain intensité, mais c'était drôle en même temps. Et quand Fanny t'a proposé le rôle, bon, tu es quelqu'un quelqu'un qui adore d'une certaine façon avoir tu es pas quelqu'un qui arrive sur un tournage et du jour au lendemain tu joues un rôle, tu le prépares, tu le travailles,
tu le fais. Donc, il y a des acteurs où que ça, pour des questions diverses, ou pas, les méthodes sont différentes. Est-ce que tu as donné beaucoup d'indications? Est-ce que tu as travaillé beaucoup avec elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton, la façon comme tu voyais le rôle dans ce travail de préparation avec elle? Beaucoup, beaucoup. Et quand je lis les scripts et après, quand je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de répétitions avec Fanny. Et là, je commençais... Quand tu étudies un personnage, tu étudies aussi le directeur en même temps. Et là, quand on fait les répétitions, je commence à comprendre comment Fanny pense. Et là, ça change beaucoup Furio aussi. Franco, tu es arrivé un peu comme l'ultimo, l'ultimo moment. L'ultimo. Et sì. Per un rôle qui est un rôle déterminant nel film, un rôle charnière, comme si dit. Tutti gli altri sono chiaro che funziona a tua volta. E questo è un argomento, una storia un po' differente della pellicola normalmente che si fa in un altro paese. E come è stato lavorare con Fanny e che questo incontro come è stato? Ma vuoi che rispondo in italiano o in inglese? Inglese. In inglese, ok. I think... Italiano. Italiano? Ah. Ok. Ok, italiano. Io penso che Fanny è stata molto coraggiosa. Io penso che è una storia talmente personale, non lo so, a volte penso che è un po' biografica, una cosa, forse un qualcosa che... Perché scrivere una storia così, talmente originale, deve essere una cosa che lei ha sentito talmente tanto, che forse solo lei poteva fare. E tu sei stato coraggioso a produrlo, naturalmente. Io mi sono trovato molto bene con lei, devo dire che, ma io dico sempre che gli attori o le attrici sono i migliori registi. Tu guarda nella storia, da Charlie Chaplin, che ne so, tutti gli attori americani, attrici che hanno diretto, sono stati bravissimi, da Robert Redford, da Kevin Costner, Paul Newman, Clint Eastwood, in Italia De Sica, tutti attori, no? Germi. Sono, io penso che l'attore, è, prima di tutto perché siamo attori, allora capiamo ancora meglio gli attori dei registi che non sono attori, perciò li capiamo molto meglio. Poi abbiamo l'esperienza di aver lavorato con tanti registi, allora prendiamo un po' di qua, un po' di là e alla fine facciamo il nostro film, no? Questo è quello che penso. No, ma lei è stupenda, lei è stupenda, lei è stupenda perché... No, guarda, le direi, ma sono sincero, perché io adesso ho fatto un film con una regista, lei è bosniaca, donna, molto cattivella, no, è un po' complessata, molto complessata, che ha vinto il Festival di Berlino, manco mi ricordo il nome, penso un po'. Ho fatto un film con una regista brasiliana, Lucia Murat, l'anno scorso. Lei è la migliore. Perché lei è un'attrice, prima di tutto. Perché è un'attrice. Questa è la verità. Queria sapere se alguém queria fazer alguma pergunta. Podem fazer em português, se quiserem que eu traduzo. Mas gostaria que houvesse também intervenção da vossa parte e que nos dessem também da vossa parte uma reflexão vossa sobre o filme. Quem é que está... Aqui, olha, está aqui. Espera aí um momento só, que há o... Je me sens à bout de souffle, vraiment. Pendant tout le film, je vous ai voyé. Je ne sais pas si ça était intentionnel.
parce que j'ai vu vos yeux, la façon de vous, les mouvements de l'actrice naturellement, complètement. C'est pour ça que je me sens tremblante et à bout de souffle, et d'une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. Et vous voulez me demander si c'est volontaire, si l'actrice a fait, a essayé de faire comme moi ou... Non, ce que j'ai éprouvé, c'était vous-même. Je ne sais pas si je peux me... Si vous comprenez. Oui, oui. C'était vous vraiment, toute... Je vous ai vu, et, j'ai vu beaucoup de films où vous étiez actrice. Et même la voix, parfois. Au début, j'étais folle complètement parce que je pensais que ce n'est pas possible, ce n'est pas... Mais les lèvres, au début même, les premiers secondes, les premiers moments, les instants, oui. les lèvres... C'était vous, vraiment. Je ne sais pas si les autres personnes ont... Non, le personnage de Asia, c'était... Fanny Ardant, je voudrais savoir si ça, c'est une chose à moi ou s'il y a quelqu'un qui a éprouvé la même chose. Oui. Non, j'ai une réponse. Moi, je peux vous dire simplement une chose. C'est que moi, je suis de nature obsessionnelle, obstinata. Mais que sûrement, en ayant choisi une actrice comme était Asia, je me souviens de l'avoir rencontrée à la gare de Milan. Et quand Asia est arrivée, elle est arrivée comme une bonne sœur de charité, pas un grain de maquillage, les cheveux très plats. Et elle s'est dit, pour plaire à Fanny, je vais avoir l'air d'une bonne de curé. Mais ce n'était pas du tout comme ça. Moi, je savais que Asia, elle est rock'n'roll, elle est wild, elle a quelque chose d'incontrôlable. Donc, quand après, elle a dit oui à ce rôle, c'était tout ce côté de Asia que je voulais, c'est-à-dire... jamais être une victime. Je ne voulais pas que le personnage de Margot ait l'air d'une pauvre fille à qui l'amour partait. Je voulais qu'elle soit en même temps très attirante et en même temps une fille à qui volontiers on aurait donné une claque. Donc après, quand vous dites qu'elle me ressemblait, forcément, elle avait les cheveux bruns, mais vous voyez bien que je suis blonde. Ensuite, après je lui disais très maquillée, c'est vrai, parce que moi j'ai toujours aimé beaucoup me maquiller. Ensuite, je lui disais Asia. Non ti fa niente di avere tacchi alti. Elle me disait non, j'adore. Donc finalement, entre Asia et moi, on a créé un personnage que forcément, même alors que Franco si sbaglia completamente, non nella storia mia, di per niente. Forse je suis beaucoup plus Furio que Asia. Mais c'est chaque fois qu'on écrit un livre ou chaque fois qu'on fait un film, on croit qu'on l'a écrit pour raconter sa vie. J'ai dit des choses de moi, mais je n'ai pas raconté ma vie. Ah, des choses. Oui. Alguma personagem que ela gostasse particularmente de interpretar também no teatro, uma vez que ela também creio que tem feito algumas aparições nos palcos franceses. Non, si comme vous avez fait dans le cinéma des rôles extraordinaires et tout ça, il vous demande si dans le théâtre par hasard, parce que vous faites aussi théâtre, il y a un rôle
d'une personnage particulière qui vous voulez jouer, que vous n'avez pas fait encore? Sûrement, mais moi j'ai toujours fait ce métier en ne voulant pas ni le contrôler, ni le diriger, ni même émettre le moindre désir. J'ai toujours aimé faire ce métier comme si, on, vous savez, on s'avance dans la forêt et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer. Je crois que depuis que je suis jeune, je n'ai jamais voulu construire quelque chose. Et pas dire, maintenant j'ai joué tel rôle, je vais jouer cela. Maintenant j'ai joué avec tel metteur en scène, je veux jouer avec cela. J'ai toujours détesté ça. J'ai toujours... Peut-être que je suis passée à côté de choses, mais ce n'est pas grave, parce que du coup, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pu prévoir. Et au théâtre, j'ai joué des rôles de grands auteurs, et en même temps, tout d'un coup, d'auteurs que je ne connaissais pas. Tout d'un coup, sur le paillasson, on m'apporte une pièce, je m'allonge sur mon lit, je la lis, d'un seul coup, comme on boit un verre d'eau. Et une minute avant, je ne savais pas que je le ferais, une minute après, ah, j'ai envie de jouer ce rôle. Voilà, alors là, toutes mes énergies, mon enthousiasme, ma volonté va vers ce qu'on me propose. Demander une chose, et ça c'est un rapport un peu à ce qu'on a parlé maintenant, dû à deux films que vous avez faits, qui sont des histoires très personnelles, et qu'évidemment on trouve des choses de vous dans les rôles de femmes, et aussi dans les rôles des hommes, comme vous m'avez dit. Déjà, René Elkabet, s'il y avait quelque chose, si vous voulez, de vous, au moins une certaine vision que vous avez, un rapport à un certain nombre de choses que... Je vais vous dire si, contrairement au com, une actrice, si un jour quelqu'un voulait vous proposer un scénario que vous n'avez pas écrit, que c'est quelque chose qui pouvait vous arriver, ou si vous continuerez dans cette ligne très particulière et très forte de choisir vous-même exactement et de travailler vos scénarios. Oui. Je pense que c'est justement une chose qui ne m'est jamais encore arrivée, mais que quand vous m'en parlez, je trouve que dans ce métier de metteur en scène, c'est aussi une commande. C'est magnifique. Parce qu'une commande, c'est un exercice de style. Donc, on vous propose un scénario. À l'intérieur de vous, c'est comme tous les computers s'allument en disant quelle est la partie de l'histoire qui va... que je peux le prendre à bras-le-corps, que je peux... tourner avec ce que je pense, ce que je crois, ce que j'aime, ce que j'ai envie de filmer. Je trouve que c'est très intéressant, un exercice de style. Où, vous savez, vous héritez d'un scénario, alors bien sûr qu'un scénario, peut-être on veut dire, tiens, je vais plutôt développer cette partie-là. Mais en France, curieusement, le cinéma est toujours plus ou moins un cinéma d'auteur. Donc, il n'y a pas comme il y avait autrefois en Amérique la partie des scénaristes qui envoient leur scénario comme une bouteille à la mer et les producteurs disent, tiens, un tel, un tel, un tel. Mais moi, je crois, Paolo, que de la même façon qu'on m'a toujours dit que je parlais d'une façon étrange, donc on ne m'a jamais proposé de faire du doublage de films, eh bien, je crois qu'on me dira, mais cette fille, elle filme tellement étrangement qu'on ne peut pas lui proposer un autre scénario. Je crois ça, hélas. Non, je ne pense pas. Bon, mais enfin. Une autre question. Ou sinon, je vous invite. É uma curiosidade só. Eu reparei que os atores portugueses falavam italiano, falavam francês, mas havia portanto, partes do diálogo que ficaram em português, não é? E que nem sequer foram traduzidas na legendagem. Qual é a intenção disso? Ela viu que donc, les acteurs... portugais parlait italien, parlait français, et qu'il y a entre eux, de temps en temps, ils parlaient portugais. Évidemment qu'ici, dans cette copie, ils sont pas sous-titrés. Bon, mais moi, je pense que c'est simple, c'est parce qu'ils sont des personnages portugais.
qui vivent en rapport à des personnages italiens et des personnages français. Vous comprenez? Eles próprios são portugueses, só que quando estão com italianos ou quando estão com franceses, como infelizmente o que nos acontece sempre, falamos a língua dos outros. C'était très important pour moi que tous les protagonistes, c'est-à-dire l'homme, Furio, la femme, Margot, Mattia, joueur de violoncelle, Carmine, ce sont tous des gens de passage dans cette ville. Et quand on m'a dit, mais c'est où cette ville? Finalement, je crois que finalement c'est la France, parce que le seul personnage qui est là, toujours et qui ne bouge pas, c'est Gérard Depardieu, avec, qui fait cet homme de Dieu avec cette petite église. Mais sinon, tous les personnages, c'est pour ça que j'avais très envie des accents. Lui, Carmine, il est italien. Il a pris sous sa protection ces deux jeunes hommes portugais, donc il les a forcés à parler l'italien. À mon avis, quand Furio était beaucoup plus jeune, il a dû être pizzaiolo, il a dû livrer des pizzas, un peu le business de Carmine, qui lui, Carmine, j'ai pas eu le temps de développer ça. Peut-être que si tu savais, tu ferais plus jamais le film. Et que pour moi, je pense que Villedieu, le prêtre, et Carmine, ils se sont connus dans les années 70, les années de plomb, à l'université de Bologne. Lui, il faisait, mettons, philosophie ou sociologie. Et pour moi, le personnage de Carmine, quand il était jeune, il s'est engagé politiquement avec des croyances très fortes, comme par exemple les Brigades Rouges, et qu'après il a dû fuir l'Italie. Et qui l'a accueilli? Le père Villedieu. C'est pour ça qu'il est atterri dans cette ville, mais que je nomme jamais, parce que j'ai voulu styliser la ville. La ville est fantomatique, il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de, il n'y a pas de magasin, il y a juste un boucher avec sa viande, là, bizarre. Mais quand, en effet, quand les Italiens se parlent entre eux, ils se parlent italien. Quand les Portugais se parlent entre eux, ils se parlent portugais. Quand Margot vient voir le prêtre, tout le monde parle en français avec Villedieu, parce que c'est comme le pilier de toute cette communauté, et qui sont, donc c'est, j'aimais beaucoup, et je sais que les acteurs Ricardo et Nuno, ils ont fait un travail colossal, parce que non seulement ils devaient parler le français, non seulement ils devaient parler l'italien comme s'ils avaient l'accent italien, et puis le moment de relax, c'était quand finalement... Et je sais qu'à un moment donné, entre eux, ils se sont dit un mot très... un gros mot. Et comme Paolo Branco est un caballero, quand je lui dis mais qu'est-ce qu'ils se disent, Paolo il a dit bœuf, je sais pas. Mais en fait c'était très. Mais lui il a dit non. Alors j'ai dit alors peut-être que les Portugais ne disent jamais de gros mots. Bon, vamos ter Fanny Ardant. Bon, notre prêtre, il est resté dans son église, donc il n'est pas venu nous joindre. Et donc, il faut que nous, que le show must go on, comme on dit. Et donc, je vous invite à tous, convite-vous tous. Non, precisam comprar bilhete nem nada, basta, só peça que saia bocadinho, fume cigarro e depois voltem para a gente preparar aqui. A assistir à leitura que a Fanny e que o Franco vão fazer. A Fanny vai ler um texto absolutamente fabuloso da Marie Duras, A Maladie de la Mort, e o Franco vai ler textos do Italo Calvino e o discurso do Presidente Kennedy. Também. E, portanto, penso que vai ser um momento importante no festival, um momento único, e se quiserem assistir, tenho todo o prazer, até podem ficar na sala, vão é ver a gente a instalar isso tudo, não tenho problema nenhum, é como quiserem, está bem? Muito obrigado, merci beaucoup.